Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre live du vendredi, live de Pierre Vivant de London City Church, PVLCC. Nous sommes en direct donc sur Facebook. Pour ceux qui sont connectés, je vois qu'il y a 9 personnes qui sont connectées. You know, bénissez quelqu'un ce soir en lui envoyant le lien hein, pour se connecter. Nous sommes en direct aussi sur notre YouTube, notre channel YouTube. Et donc, nous sommes en direct sur le Facebook et sur le YouTube. Soyez le bienvenu. Shalom, shalom again. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes à un rendez-vous que Dieu nous a donné. Nous sommes à ce rendez-vous et nous savons que quand Dieu vient quelque part, et il se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous attendons encore à de grandes choses pour la journée d'aujourd'hui. Nous croyons que Dieu veut encore faire quelque chose. Dieu veut guérir quelqu'un. Dieu veut restaurer quelqu'un. Vous voyez, nous sommes dans des temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous sommes dans les temps où Dieu, vous voyez, devant les défis, devant tout ce que le monde traverse, devant les difficultés que le monde, dans sa science, dans son intelligence, n'arrive pas à gérer. Nous sommes dans ces temps où Dieu veut maintenant, vous voyez, descendre sur la scène afin que le monde sache que Dieu est Dieu. Amen. C'est-à-dire là où l'homme a échoué, là où l'homme ne peut pas, là où l'homme a des limites. Vous voyez, Dieu vient sur la scène pour faire quelque chose de grand. Et le mot, le terme que j'entends pour ce soir, c'est off-limit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation. Dieu va agir sans limite, sans limite. Il va déverser sa grâce, sa puissance sur le monde. C'est pour cela que Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent se tenir devant lui et qui peuvent répondre à son appel et qui peuvent dire, Seigneur, nous voici, envoie-nous, parce qu'il y a du travail à faire, il y a le monde à impacter, il y a le monde à toucher. Et donc, si tu es connecté ce soir, j'aimerais que tu partages cette vidéo afin que quelqu'un aussi entende ce que l'Esprit dit. Et ce que l'Esprit veut faire au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons prendre un temps de prière rapidement. Est-ce que tu peux nous aider avec un temps de prière? Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 55, à partir du verset 10 à 11. La Bible déclare, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et le Seigneur veut nous rappeler dans ce passage que sa parole est toujours efficace. Et nous croyons que Dieu est vérité et sa parole est vérité. Yes. Amen. Et donc, la Bible dit que la parole de Dieu ne sort sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et nous croyons que sa parole est puissante. Elle est capable d'amener tout ce qui n'existe pas à l'existence. Elle est capable de faire taire la bouche de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare la parole de la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens que la parole est aussi l'épée. Tu vois, l'épée de l'esprit, quand cette parole est envoyée, cette parole fait fuir l'ennemi. Cette parole fait taire l'ennemi. Et alors que nous nous préparons pour recevoir la parole de Dieu, nous allons vraiment nous positionner et demander à Dieu de nous aider en ce jour vraiment à proclamer la parole de Dieu. Car c'est au travers de cette proclamation que l'ennemi peut fuir. Parce que l'ennemi, il est tout le temps autour, en train de rôder comme un lion, en train de rôder pour nous dévorer. Mais la parole de Dieu, Dieu est avec nous. La parole de Dieu est puissante pour pouvoir détruire les plans de l'ennemi, pour pouvoir amener à non-existence les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Nous allons prier
à ce que le Seigneur vraiment puisse intervenir, que le Seigneur manifeste sa puissance au travers de sa parole ce soir, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique. La Bible déclare que celui qui méprise la parole de Dieu se perd, mais celui qui met la parole de Dieu en pratique, celui qui craint les commandements de Dieu, cette personne est récompensée. Et nous voulons vraiment être des hommes et des femmes qui sont récompensés par Dieu parce que nous sommes obéissants à sa parole. Nous voulons marcher selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Et donc, nous allons élever nos voix ce soir, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à pratiquer tes préceptes, tes commandements. Aide-nous à marcher dans l'obéissance parfaite. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta volonté parfaite. Et donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à avoir confiance totale, à avoir une assurance totale en toi, que quand ta parole sera sortie, cette parole amènera la transformation, le changement dans nos vies au nom puissant de Jésus, et que cette parole fera taire la bouche de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, qui est puissante, Seigneur, qui ne sort jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu as pour nous ce soir, au nom puissant de Jésus, la parole que tu as réservée, Seigneur, pour nous, la parole que tu as mis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur la bouche de ton serviteur, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, ô Dieu de gloire, que cette parole, Seigneur, sorte avec puissance, Seigneur, pour accomplir ce pourquoi elle est sortie au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à proclamer, Seigneur, ta parole avec puissance, avec autorité, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, accomplisse, Seigneur, ta volonté dans nos vies, tes desseins dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons en ce jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole, Seigneur, est vivante dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'au travers de ta parole, Seigneur, mon Dieu, les plans de l'ennemi sont voués à l'échec, au nom puissant de Jésus. Merci de ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu déclares dans le livre de Josué que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce livre de la loi, Seigneur, qui est ta parole, Seigneur, ne s'éloigne point de nos jours, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à la méditer jour et nuit, Seigneur, afin que nous puissions réussir, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions réussir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos projets, Seigneur, dans nos entreprises, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire de ce que tu es Dieu, de ce que tu es vrai, de ce que ta parole est vraie, de ce que ta parole ne change pas. Sois loué, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, sois magnifié et glorifié au travers de ta parole. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reçois la gloire, Seigneur. Amen. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Christ. Amen. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te Alléluia. Bénissons vraiment pour, pour ce temps, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, mais aussi dans la vie de ton assemblée, Pierre Vivante, Seigneur, Église francophone de Londres, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis pour un but, tu nous as choisis, Seigneur, pour une mission. Oui, Seigneur. Et nous sommes là, nous sommes prêts, Seigneur, pour être utilisés, Seigneur. Je prie pour tous les membres de notre assemblée qui suivent, oui, Seigneur, ce temps, ce message, cette méditation. Seigneur, à l'instant, je prie que l'onction divine descende sur leur vie, Seigneur, l'onction qui va les propulser, non seulement dans leur destinée, mais qui va les emmener à accomplir les grandes choses que Dieu a et veut faire dans son assemblée, mais aussi à travers son assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous savez aussi que à Pierre Vivante, nous sommes dans un temps de, nous sommes dans une semaine d'action de grâce, parce que Dieu nous a parlé et Dieu nous a dit en réalité que, voyez, c'est comme si tout est accompli et que lui, Dieu, il a accompli toutes choses déjà et que nous devons passer du temps à le remercier. Et c'est ce que nous faisons depuis
depuis dimanche, depuis lundi, que nous remercions Dieu pour toutes choses, et les témoignages aussi commencent par tomber de ce que, vous voyez, en glorifiant Dieu, en bénissant Dieu, en louant Dieu, en restant dans cet esprit d'action et d'action de grâce, vous voyez, Dieu agit et Dieu continue d'agir. Ce n'est pas que quand on bénit Dieu, Dieu ne fait pas une pause en attendant qu'on le bénisse. Non, au fur et à mesure qu'on est en train de bénir Dieu, en train de le louer, lui continue de faire son amen. Et donc ceux qui n'ont pas encore vu leur miracle, voyez, ne désespérez pas. Dieu va, il est fidèle. Il est en train de mettre sur place, voyez, des actions de puissance, des actions de miracles, voyez, pour la vie de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, lève ta main avec nous ce soir et reçois tout simplement, voyez, cette eau qui vient du ciel, cette pluie qui vient du ciel, qui bénit ta vie, cette pluie qui vient et qui rafraîchit ta vie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Les choses, Seigneur, que tu veux faire, la puissance que tu veux manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur, je prie ce soir que tu fasses en sorte que chacun, Seigneur, de plus se réjouit, que nos cœurs se réjouissent par rapport à ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, on va continuer un peu, je crois, ce qu'on a commencé le vendredi, dernier, ok, si vous vous souvenez, le titre du message, le thème, c'était la récupération. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des moments où l'ennemi rentre en possession, d'une manière ou d'une autre, de ce qui nous appartient, ok, et quand il rentre en possession de ce qui nous appartient, son but, son intention, c'est de nous dépouiller définitivement de ces bénédictions qui doivent être les nôtres. Okay? Et donc, le message aujourd'hui, ou bien la prière qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, voyez, ce que l'ennemi a pris puisse nous être restitué. Nous sommes aussi dans cette saison de restitution, dans cette saison de récupération. Alléluia. Vous savez, il y a restitution quand quelqu'un prend ce qui t'appartient et que quelqu'un d'autre a pris. Il va aller récupérer ça et puis vient te restituer ça. Mais il y a récupération quand toi-même tu te lèves et tu récupères ce qui t'appartient. C'est-à-dire toi-même tu vas et tu combats et tu récupères tout ce qui t'appartient. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Et donc, je vais lire une parole, la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, et donc il dit, du verset 1 au verset 8, il dit, lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. La ville était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Il s'agissait de Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod et à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour cette parole. Merci pour cette référence encore à notre père David, par rapport à sa marche avec toi.
voyez, la marche de David est pleine de révélations, mais d'enseignements. Vous voyez, comme on le sait tous, que Dieu a déclaré David comme l'homme selon son cœur. C'est pour cela que c'est toujours intéressant de regarder un peu comment est-ce que David a marché avec, a marché avec Dieu. Okay? Et donc, je reprends rapidement certaines choses que j'ai dit la semaine dernière. Hein? Par exemple, que Tiklag, dont on parle ici, c'est une ville refuge. David a pris refuge à Tiklag. Tiklag, ce n'est pas une ville israélite. Tiklag, c'est une ville qui est sous contrôle, comment dire, philistine. C'est les Philistins qui étaient au contrôle de cette ville. Mais ils ont donné refuge à David. Ils ont donné refuge à David qui fuyait, qui fuyait, je vais dire, entre guillemets, son propre peuple, parce qu'il était, menacé. Donc, on lui a donné la place à Tiklag avec toute son, avec toute l'équipe, les gens qui l'accompagnent. OK? Et donc, à un moment donné, les gens qui ont donné, ils ont donné refuge à David, ils étaient maintenant en difficulté. Donc, les Philistins devaient aller combattre. Mais, regardez, ce qui se passe ici, en réalité, c'est qu'ils devaient aller combattre contre le peuple d'Israël. Voyez, d'où est sorti David. Okay. Mais, on voit ici que David, dans son intégrité, il a dit, mais, ceux-là qui m'ont donné refuge, il faut que je les aide dans le combat. Okay. Et il s'est levé les gens qui étaient avec lui, et ils sont partis rejoindre l'armée des Philistins qui se préparaient pour aller combattre contre Israël. Okay? Et donc, quand ils étaient avec les gens, la Bible dit, ils étaient à l'arrière-garde, c'est-à-dire que leurs troupes avaient pris position à l'arrière-garde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les princes maintenant des Philistins ont remarqué que David était là. Et puis ils ont dit, mais ce monsieur, en fait, il est israélite. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec nous? Et donc, celui qui avait le contact direct avec les David, il a expliqué que oui, mais il est avec nous, il peut aller et tout ça. Mais les Philistins, les princes des Philistins ont dit non. Ils ont dit, retournez c'est-à-dire à Tiklag. OK, mais nous-mêmes, on va aller faire le combat. Et c'est ainsi que David a pris ses gens et puis ils ont retourné à Tiklag qui était en fait leur maison. Et la Bible dit il leur a pris 3 jours avant d'arriver à Tiklag. Non, la première des choses que je vais dire ici, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un temps, dans une semaine d'action de grâce. Voyez, et j'expliquais tout à l'heure que voyez, Dieu, quand Dieu agit, des fois, on ne sait même pas que Dieu est en train d'agir. Voyez, quand bien même nous, on n'a pas la révélation de ce qui se passe derrière dans le spirituel. Vous voyez, Dieu continue toujours à faire son travail. Non, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, quand David et ses gens ont été renvoyés du champ de guerre, non, ils pouvaient dire en ce temps, oui, mais Seigneur, nous voulons vraiment aller combattre, nous voulons aider ces gens-là, mais ils nous ont renvoyés. Donc, ils pouvaient commencer peut-être à murmurer, à parler et à tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés. Et quand ils sont arrivés à Tiklag le troisième jour, alléluia, après trois jours de marche, pendant tous ces 3 jours de marche, il y a quelque chose qui se passait. La situation à Tiklag, c'est-à-dire la situation à la maison de David, avait évolué en mal. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les Amalécites, alors que David était sur le champ de bataille, les Amalécites ont pris d'assaut Tiklag, qui était la maison de David. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la désolation sur le territoire de Tiklag. OK? Et donc, la première des choses, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais la première des choses que je peux dire ici, c'est que, voyez, quand David, on lui avait demandé de retourner, il ne savait pas. Il ne savait pas que, voyez, les gens qu'ils avaient laissés, leurs femmes, leurs enfants, voyez, toutes les personnes qui sont restées à Tiklag ont été enlevé par une armée étrangère, c'est-à-dire les Amalécites. Ils ne savaient pas. Alléluia. Et donc, vous voyez, il y a des moments où, en revenant, par exemple, vers Tiklag, les 3 jours de marche, David pouvait, avec son équipe, en train de louer le Seigneur, en train de lui dire merci, mais pour quelque chose qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que il y avait eu attaque. Et donc, s'ils étaient restés sur le champ de bataille, si David était resté sur le champ de bataille, on ne sait pas quand, ou bien combien de mois, combien de semaines, combien d'années, cette guerre va durer. OK? Mais Dieu a permis qu'il revienne vite. Pourquoi? Parce qu'il y avait urgence à la maison. Donc Dieu a permis qu'une situation qui était contraire, un vent qui était contraire,
cette fois-ci est un vent qui les a emmenés en réalité à pouvoir à pouvoir arrêter un mal qui était en train d'être fait au peuple de David. Okay? Et donc, je crois que Dieu a empêché David de combattre aussi contre le peuple d'Israël. Okay? Je suis sûr que David, en allant sur ce champ de bataille, il était tourmenté, pas tourmenté, mais il était un peu déchiré. Okay? Parce qu'il devait être fidèle, il devait être intègre vis-à-vis de ceux qui lui ont accordé asile, ceux qui ont accordé refuge. Mais il devait aussi, vous voyez, se dire, mais est-ce que je vais combattre avec mon peuple d'Israël? Il se posait des questions. Et s'il ne partait pas, ceux qui l'ont accueilli allaient dire que David était un traître, okay? Mais s'il partait aussi, le peuple de Dieu allait dire certainement que les Israélites allaient dire, ah, mais David est venu nous combattre, David est un traître. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a touché le cœur des princes des Philistins et ils ont dit, non, David, on n'a pas besoin de toi sur le champ de guerre, retourne à la maison. Donc, il y a deux situations à cet instant pour lesquelles David peut remercier le Seigneur. Quand bien même, ce n'est pas que Dieu l'a béni, Dieu ne lui a pas donné des richesses en ce moment, Dieu ne lui a pas donné des biens matériels en ce moment, mais Dieu a fait deux actions. Et je vois, vous voyez cette manière d'opérer de Dieu, et que Dieu a d'opérer, il est en train de le faire dans ta vie aussi maintenant. Tu es peut-être dans une situation qui est difficile, mais derrière cette situation, Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train d'arranger des choses. Tu pleures parce que tu as perdu, voyez, tu as perdu du terrain, tu es rentré dans une situation de défi. Tu es en train de te lamenter. Mais cesse de te lamenter. Commence par adorer Dieu. Commence par louer Dieu. Commence par bénir Dieu. Commence par dire merci au Seigneur. Parce que au-delà de ce que physiquement tu es en train de physiquement tu es en train de traverser, au-delà de ça, Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Dieu a protégé David de pouvoir aller combattre contre son peuple. Et de la même manière, ou bien au même moment, Dieu a utilisé cette situation pour permettre à David de rentrer très vite à Tiklag parce qu'il y avait une situation dangereuse à la maison. Ok? Et donc, David était parti. Et qu'est-ce que David a vu? David a vu que les gens étaient enlevés, ses femmes étaient enlevées, les femmes des gens qui étaient avec lui étaient enlevées, les enfants, voyez, les filles comme les garçons, tout le monde était enlevé. Mais la grâce de Dieu, et c'est encore le troisième point d'action de grâce ici, c'est que Dieu a fait grâce que, voyez, aucune des personnes enlevées n'a été tuée. Personne qui était dans la ville de Tiklag, que David a laissé derrière, n'a été tué. Alors que l'adversaire, les Amalécites, ont vraiment dominé parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Tous les hommes étaient avec David sur le champ de guerre. Ils avaient toute la capacité de tout faire. Mais alors que David n'était pas là, Dieu protégeait sa maison. Dieu protégeait sa ville. Dieu protégeait Tiklag. Alléluia. Alors que David n'avait pas ses yeux pour veiller. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit même que, voyez, si Dieu ne garde la maison, en vain, ceux qui veillent, en vain, ils veillent. Parce que, voyez, si Dieu est en train de garder ta maison, même si tu n'as pas les yeux sur ta maison, même si tu n'es pas là pour protéger ta maison, même si tu n'es pas là pour combattre, c'est Dieu qui fait le combat pour toi, c'est Dieu qui les protège. Et donc, Dieu a fait en sorte que personne au milieu du peuple de David à Tiklag n'a été tué. Je prie aujourd'hui que aucune situation n'amènera la mort dans ta vie. Je bannis, Seigneur, dans ta vie tout ce qui est mort, tout ce qui est un esprit de mort, est un esprit de destruction, tout ce qui est venu pour te détruire. Voyez, je vois la main de Dieu te protéger, je vois la main de Dieu te garder dans le nom de Jésus-Christ. Voyez, quand tu regardes, il y a une histoire que j'aime bien, mais j'ai oublié un peu l'histoire. Mais l'histoire est un peu comme ça. C'est comme si, tu vois, un peu, quand tu as un pied, quand on t'a peut-être coupé un pied, amputé d'un pied, tu vois un peu, quand tu vois quelqu'un qui est, qui a ses deux pieds, tu l'envies. Tu l'envies et tu commences à te plaindre. Tu te dis, waouh, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on ait amputé un de mes pieds? Jusqu'au jour où tu vois quelqu'un qui n'a pas les deux pieds. Est-ce que vous comprenez un peu? À ce moment-là, tu commences par te rendre compte que, waouh, quelle est la grâce que j'ai? J'ai au moins un pied. Tu apprécies. Tu dis, waouh, Seigneur, merci. J'apprécie que tu as permis que j'ai un pied.
Alléluia. Et celui qui n'a pas ses deux pieds, de la même manière, il va se plaindre, il va se dire, pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est abandonné par Dieu ou quoi que ce soit, jusqu'au moment où il trouve quelqu'un qui n'a, non seulement il n'a pas les deux pieds, mais il n'a pas aussi les deux mains. Vous voyez? Et donc, c'est toujours comme ça. On doit rendre grâce à Dieu, quelle que soit notre situation. Parce qu'il y a toujours du bien que Dieu nous fait. Dieu nous fait du bien dans des temps, dans des saisons que nous ne connaissons pas, que nous n'imaginons pas. Vous voyez, quand les opérations se fassent au niveau spirituel, il y a des moments où nous, on n'est pas au courant, on n'a pas ce discernement que le combat se passe. Mais ce que nous savons, c'est que quand Dieu agit, il agit pour nous, même si on est au courant ou on n'est pas au courant, Dieu continue d'agir pour nous. Et donc, Dieu a protégé Chiclac. Dieu a fait en sorte que personne n'a été tué. Et donc, je prie en réalité que, vous voyez, dans ta situation, il n'y ait point de mort. Dans sa situation, il n'y ait point d'esprit de mort qui prévale. Dans ta situation, il n'y a point d'esprit de destruction, voyez, qui achève ce que tu es en train de faire, qui achève ta destinée, qui achève tes projets, qui achève qui tu es, qui achève ta maison. Ils n'arriveront pas à les achever parce que Dieu ne leur permet pas. Si vous vous souvenez, dans le livre de Job, la Bible dit quand le diable est parti en présence de Dieu, il a demandé à Dieu, il a dit, mais laisse-moi, tu vois que Job, il te suit, il t'aime, il te loue, il t'adore. Pourquoi? Parce que tu l'as béni. Amen. Et donc, le diable a demandé la permission d'aller faire du mal à Job, de lui enlever tout ce qu'il a et de le tuer. Mais Dieu lui a dit, oui, vas-y, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Vous savez qu'à ce moment précis, Job n'était pas au courant qu'il y avait des transactions dans le spirituel par rapport à sa vie. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'a pas permis que sa vie... Vous voyez, c'est important. Je ne sais même pas si je peux arriver au thème de mon message aujourd'hui. C'est important que nous comprenions. Parce que, vous voyez, Dieu n'a pas permis que sa vie, que la vie de Job, soit enlevée. Vous savez pourquoi? Parce que l'intention de Dieu, c'est que, vous voyez, même si un malheur t'arrive, ta restauration, la récupération te donnera plus que ce que tu as perdu au cours du malheur. Okay? Et donc, quelqu'un qui est mort, on ne peut plus, il ne peut plus récupérer ce qu'on lui doit. Okay? Et donc, Dieu fera en sorte qu'il y aura toujours un espoir pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Ne crains pas, ne crains pas, Dieu a déjà un plan. Ne crains pas, Dieu a déjà un plan. Sois fort, sois ferme, sois tenace dans ce combat. Sois tenace, même au moment des difficultés, au moment les plus sombres. Lève tes mains vers le Seigneur. Et adore ce Dieu, loue ce Dieu, parce que lui, il n'est pas aveugle. Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Dieu connaît ses plans par rapport à ta vie. Il connaît ta situation. Et quand on voit l'histoire de Job, on voit qu'à la fin, voyez, ce que Job a récupéré était plusieurs fois, beaucoup plus que ce que Job a perdu. Et je prie que ce soit ton partage aujourd'hui aussi, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Revenons un peu à la parole. Alléluia. Je disais que quand ils sont rentrés à Tchiklag, ils ont vu un pays dévasté, un pays brûlé complètement, mais personne n'a été tué, mais tous ont été enlevés. Tous sont faits prisonniers. Donc le fait qu'ils n'ont pas été tués, ils ont été faits prisonniers, était un signe d'espérance. C'était un signe d'espérance. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que, voyez, sa gloire se manifeste encore à travers la vie de David. Et ça, c'est ce que j'ai reçu. Pour toi ce soir, je ne sais pas qui reçoit ce truc, mais voyez, ce que j'ai reçu pour toi, c'est que de manière prophétique, je viens t'annoncer que la situation, si elle est dure dans ta vie, elle est dure, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Souvenez-vous, quand le peuple de Dieu est sorti d'Israël et qu'ils sont arrivés dans un endroit, c'est-à-dire devant la mer Rouge, et qu'ils étaient coincés. Ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient plus reculer à cause de l'armée de Pharaon. Vous voyez, la Bible dit, avant qu'ils n'arrivent là-bas, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, afin que Pharaon les poursuive. Pourquoi? Dieu avait une raison. Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon afin que le peuple de Dieu soit détruit, afin que le peuple de Dieu soit tué. Non, non, non. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, afin que le Pharaon pousse le peuple de Dieu dans une situation désespérée, en sorte que la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez, ça c'est un secret de la marche avec Dieu.
Des fois, et on a vu tout à l'heure avec Job, et je viens de donner aussi l'exemple du peuple d'Israël qui est sorti quand ils sont sortis d'Égypte. Vous voyez, Dieu, il y a des moments où il permet que la situation devienne tellement difficile. Mais ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te finir. Ce n'est pas pour détruire ta vie. Mais c'est parce que Dieu veut qu'au moment de la récupération, la gloire de Dieu soit grande. La gloire de Dieu soit puissante. Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu dis souvent, toi qui me suis, tu dis souvent, mais moi je n'ai jamais expérimenté la gloire de Dieu. Moi je n'ai jamais expérimenté un miracle de Dieu. Je n'ai jamais expérimenté, voyez, une puissance, la puissance de Dieu. Je t'annonce ce soir que accroche-toi à ce que Dieu est en train de faire. Ne décroche pas, parce que c'est au bout des épreuves que se trouve la gloire de Dieu. Au bout des épreuves que se trouve la manifestation de la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Donc tout ce que l'ennemi a planifié, même si l'ennemi est venu à Tsiklag pour tuer, pour détruire, pour dérober, si l'ennemi est venu à Tsiklag pour exterminer, voyez, le peuple de David qui était resté à Tsiklag, Dieu n'a pas permis qu'il soit tué. Dieu a seulement permis que ces gens-là, que les familles, les femmes et les enfants soient enlevés. Et je prie maintenant que sa situation, la situation aussi dans laquelle tu es, ce n'est pas une situation qui va t'amener à la mort. Ce n'est pas une situation qui va te détruire. Ta maladie n'est pas pour la mort. Ta maladie n'est pas pour la mort. De la même manière que Christ a dit de la maladie, de la mort de Lazare. Voyez, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cette maladie est pour que, voyez, le mort se ressuscite. Cette maladie est pour que celui qui est mort, enterré 4 jours durant, qui est en train de sentir et de pourrir, puisse se lever et marcher encore. De la même manière, voyez, ta situation n'est pas une situation de mort. C'est une situation de sommeil. Parce que la résurrection arrive. La résurrection arrive. La résurrection arrive. Dans le nom de Jésus, la résurrection arrive. Ce que tu as perdu, la résurrection arrive. Ce que tu as perdu, la résurrection arrive. Ce que tu n'as pas pu avoir, la résurrection arrive dans le nom de Jésus-Christ. Allez, alléluia. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, voyez, quand tu pries Dieu, quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec Dieu et que tu as perdu quelque chose, ne t'attends pas à recevoir ce que tu as perdu. Attends-toi à plus grand que ça. Attends-toi à quelque chose de plus volumineux, de plus grand, de plus puissant que ça, parce que la gloire de Dieu va descendre. C'est pour cela que, voyez, même dans les défis, même dans les difficultés, voyez, la seule manière, notre seule attitude, c'est une attitude d'obéissance à Dieu. C'est une attitude d'être à la croix. C'est une attitude d'être au pied de la croix, dans le nom de Jésus-Christ. D'être au pied de la croix. Voyez, nous tous, on ne peut pas être à la croix, parce que c'est Christ qui doit être à la croix, afin que toi et moi, on ait le salut. Mais nous, on doit être au pied de la croix. On doit être au pied de la croix. Et c'est là, c'est au pied de la croix que nous recevons les instructions de Dieu, que nous recevons l'affermissement de Jésus-Christ, que nous recevons les recommandations de Jésus-Christ. C'est au pied de la croix que tu as ta victoire. Donc ne déchire pas les temps que tu passes, par lesquels tu passes qui sont difficiles, mais la gloire de Dieu vient. 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 Alléluia. Ce que je reçois une parole qui me vient dans la pensée. C'est que c'est comme si Dieu est en train, j'entends raccourcissement. Dieu est en train de raccourcir le temps de désert. Dieu est en train de raccourcir le temps de défi. Dieu est en train de raccourcir le temps, voyez, de difficultés par lesquelles tu passes. Pourquoi? Parce que tu as compris. Parce que tu as compris, parce que tu as vite compris, Dieu va raccourcir ce temps. C'est-à-dire que ta délivrance est prompte. Ta délivrance arrive de promptement. Ta délivrance n'aura pas de délai. Ta délivrance n'aura pas, ne durera pas. Elle viendra, elle est là. Ta délivrance est là maintenant, dans le nom de Jésus. Et c'est une délivrance puissante qui va faire en sorte que la gloire de Dieu, se manifeste. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Shekatere baba baba baba. Limama kose ketere. Nous te donnons, Seigneur, toute la gloire ce soir. Merci pour ta grâce et pour tout ce que tu es en train de faire. Et au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shekatere. Libaba kose katara mama katere. Ribababa sheketere baba kase ketere baba. Les mama, ma côté de ribaba couré qui était de, liba so côté riba baba katara da 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 da.
Tu es le Dieu de gloire. 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 Ma konde le basse ke te re re re. Rababa kote ri ma 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 ma. Le bra kase ke te re 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 re. A toi la gloire, Seigneur. A toi la gloire, Seigneur. Seigneur, tu renverses, Seigneur, oh Dieu, les desseins de nos ennemis ce soir. Vous voyez, ceux qui nous font du mal. Seigneur, dans le secret, tu continues, Seigneur, oh Dieu, de nous sauver, de venir en aide. Seigneur, alors même que nous ne sommes pas, nous ne savons pas ce qui se trame, Seigneur, contre nous dans le spirituel, mais toi tu agis dans notre faveur, tu agis à notre faveur, tu agis à notre faveur, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Krakateri, rabaso kuteri, mama, 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 mama. Reketeri, rabaso kuteri, mama, mama, mama. Reba, ba, 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 ba. Yereketeri, Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Rima, ma, kote, re, 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 re. Rima, ma, 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 kote, re, 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 re. Béni sois-tu, oh Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, béni sois-tu. Nous te donnons toute la gloire encore ce soir. Merci pour toutes choses. Seigneur, nous nous levons, Seigneur, ce soir, contre tout ce qui est opposition du diable. Seigneur, nous disons, nous déclarons que tu es Dieu et que tu fais grâce en tout temps et en toute saison dans le nom de Jésus, 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 ma côté rabababababa reketeri dararadara au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous allons continuer de prier ce soir. Alléluia, makara babababa reketeri liba. L'Éternel renverse, il renverse les desseins du malin sur ta vie, dans le nom de Jésus. Ils n'arriveront pas à détruire ta vie, ils n'arriveront pas à détruire tes biens, ils n'arriveront pas à détruire ta destinée, au nom de Jésus. L'Éternel veille sur toi, il te garde le matin, il te garde le soir, il te garde la nuit. L'Éternel te protège, tu ne te noieras pas, Seigneur, sous les eaux de la mer qui est séparée en deux, c'est pour que tu passes à pied sec, c'est pour que tu traverses les eaux à pied sec, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Ré, maman, 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 côté, il y a un temps pour arracher l'ivraie, il y a un temps pour réveiller Lazare, il y a un temps pour récupérer les prisonniers, il y a un temps, il y a un espoir pour que tu puisses agir. Il y a un temps, il y a un espoir pour que tu puisses arriver à conquérir, à faire de grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. À toi soit la gloire en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Ah, Rabaka, Dieu dit ce soir, poursuis, atteins et délivre tout ce qui a été fait prisonnier, délivre tout ce qui a été fait prisonnier, délivre tout ce qui a été fait prisonnier, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous avons parlé tout à l'heure de l'exemple de la mort de Lazare. Voyez, quand Christ est intervenu, alléluia, Lazare même ne savait pas. Il ne savait pas que Jésus était sur son affaire. Il ne savait pas que Jésus était dans l'affaire. Il ne savait pas que Jésus était en train d'agir en sa faveur, dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière, je proclame et déclare ce soir la résurrection dans ta vie, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et donc, la Bible nous dit que quand David a découvert Tsiklag dans la situation de désolation, voyez, et que tout le monde a commencé par porter le blâme sur David. Tout le monde a commencé par blâmer l'homme de Dieu.
Alors, qu'est-ce que David a fait? David dit, Dieu, David a trouvé le courage dans le Seigneur. Il s'est fortifié dans le Seigneur. David s'est fortifié dans le Seigneur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Dieu, il est allé vers Dieu, il a demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre cette troupe qui est venue et faire prisonnier de mon peuple prisonnier? Et Dieu a dit, oui, David. Il dit, poursuis. Poursuis-les, tu les atteindras et tu vas récupérer ce qui t'appartient. Et donc, nous sommes venus ce soir ensemble prier pour aller, voyez, à récupérer ce qui nous appartient. C'est le moment de poursuivre. C'est le moment par la prière. C'est le moment par les déclarations. C'est le moment par la parole de Dieu. C'est le moment par les proclamations que tu puisses, voyez, poursuivre celui qui détient illégalement les biens qui t'appartiennent dans le nom de Jésus. Je déclare et je proclame ce soir, in the name of Jesus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ. Comme Christ a dit, quand tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je prie que quelqu'un croie ce soir et qu'il voie la gloire se manifester, qu'il voie la gloire de Dieu se manifester. J'ai dit tantôt qu'au bout de tes difficultés se trouve la manifestation de la gloire de Dieu. J'ai dit tantôt qu'au bout de ta marche se trouve, voyez, la mer qui se fend en deux. Je dis qu'au bout de tes difficultés se trouve la résurrection. Et donc ce soir, tu vas crier à Dieu. Tu vas commencer par crier à Dieu. Tu dis, Seigneur, je réclame et je repossesse ce que l'ennemi m'a volé. Commence par déclarer dans l'atmosphère que tu récupères ce qui t'a été volé. Tu récupères ce qui a été fait prisonnier. Tu récupères ce que l'ennemi, voyez, a pris et qui ne lui appartient pas. Déclare que tu récupères tes biens qui sont dans les mains de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Voyez, il y a des gens que l'ennemi a volé des années. L'ennemi t'a volé des années. C'est-à-dire que tu n'as pas encore accompli ce que tu aurais pu accompli il y a 10 ans. L'ennemi t'a volé des années. Tu es dans un temps où tu devais déjà, voyez, avoir acquis, accompli et conquis, voyez, beaucoup de choses. Mais tu vois que tu as perdu des années. Je prie aujourd'hui avec toi que le temps de la récupération est venu. Que Dieu te donne de récupérer ce temps qui t'a été volé. Je prie pour une récupération totale maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu te fait avancer, Dieu te fait avancer, il te fait avancer, il te fait récupérer. Il y a une accélération afin que tu puisses gagner du temps, dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi t'a volé, la lumière que l'ennemi t'a volé, les ténèbres commencent par faire éclater sa lumière sur ta vie, dans le nom de Jésus. Il fait éclater sa lumière sur ta vie, dans le nom de Jésus. Tiens-toi bon, la récupération est proche. Dieu dit, poursuis-les. Je les poursuis. Dans le nom de Jésus, je les poursuis et je les atteins. Retrouve-toi en possession de tes biens maintenant, dans le nom de Jésus, parce que tu as atteint l'ennemi, et ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu va le faire, va le manifester. La Bible déclare que quand David les a poursuivis, David a atteint, et il a récupéré les femmes, il a récupéré les enfants, il a récupéré les biens, il a récupéré tout ce que l'ennemi a volé et a fait prisonnier. Et je prie ce soir, je déclare sur ta vie, et j'aimerais que toi-même tu pries là où tu es aussi. Déclare, parce que c'est toi qui poursuis ce soir. C'est toi qui poursuis par la prière. Déclare ce soir que tu récupères toutes choses, Tu récupères tes finances, tu récupères ton mariage, tu récupères tes relations, tu récupères l'abondance que Dieu a prévu pour toi. Tu récupères tes enfants. Tu récupères les fruits de tes labeurs. Tu récupères tout ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu récupères ta santé. In the name of Jesus Christ. Voyez, tu récupères ta santé comme tu étais auparavant. Quand tu étais bébé, tu récupères ta santé. Tu récupères la santé de tes organes. Tu récupères la santé de tes yeux. Tu récupères la santé de tes oreilles. Tu récupères la santé de ta peau. Tu récupères la santé de ton sang. Tu récupères toutes choses que Dieu t'a données dans le nom de Jésus. L'ennemi ne s'enfuira pas avec tes biens. Il ne s'enfuira pas avec ceux qu'il a fait prisonniers. Dans le nom de Jésus, il ne s'enfuira pas. Tu les atteindras, tu les détruiras et tu récupéreras ce que l'Éternel